Ce soir, c'est au tour de Clara Luciani de prendre les rênes de Basic le concert. Elle va nous faire bouger, nous faire chanter avec élégance, talent et quelques paillettes, évidemment. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des bars le soir, débraillé dans le noir. Je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet très facilement et qui traverse aussi facilement les télévisions et les ordinateurs. C'est la joie que j'ai d'être là. Et donc c'est vrai que je pourrais pas interagir avec le public, je pourrais pas dire maintenant c'est à vous. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui ressentiront très facilement, c'est le bonheur que j'ai de faire ce que je fais. Allez, respire encore, allez. J'ai un rapport très spécial à la scène parce qu'à la fois elle me terrorise et à la fois il n'y a rien qui me stimule plus que la scène. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'endroit où je suis plus moi-même que sur scène. Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? L'auteur de La Grenade a bel et bien transformé l'essai. Dans ce concert, Clara Luciani égrène les titres de son premier album et celui du deuxième avec de nouveaux tubes. Quand le reste est sorti, ça a été un tel soulagement de voir que les gens ne m'aimaient pas que pour La Grenade, que les gens étaient ouverts à écouter les nouvelles chansons. Le reste, je te le laisse, mais je retiens le laisse. Le souvenir ému de ton corps. Quand on a commencé à travailler le concert, j'étais un peu préoccupée. Je me disais dans quelle mesure est-ce que je peux réussir à trouver un lien entre le premier et le deuxième album. Et c'est assez beau aussi finalement parce que il y a un disque qui est plus obscur et un disque qui est plus clair. Et moi, c'est que ce soit en peinture, en musique, en film, j'aime l'idée du clair-obscur. Rendez-vous ce soir avec Clara Luciani dans Basic le concert. C'est sur France 2 et ça démarre à 23h15. Le rat, je te le laisse.